Alors, d'autres me diront, mais shérif, nous sommes en Guinée, tu vois que tout est vert, pourquoi tu nous parles de désertification? Nous n'avons pas, nous, de désert. Alors, je vous dirai que non, la Guinée est bel et bien touchée par la désertification. Parce que la désertification, ce n'est pas seulement l'avancée du désert. Selon la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, qui fait partie également des conventions de Rio comme la lutte contre le changement climatique et la promotion de la biodiversité, la désertification, c'est la dégradation des terres observée dans les zones arides, semi-arides ou subhumides fraîches. Et donc si on prend le cas de la Guinée, la terre de la Guinée est subhumide fraîche parce que si on prend les zones de la Haute-Guinée, elles sont fortement touchées par la désertification. Elles sont fortement touchées par la désertification et la désertification peut être causée aussi par le manque de gestion rationnelle de nos terres. Et elle peut être aussi observée dans les zones où il y a l'extraction minière. Elle peut être observée aussi dans des endroits où il y a la déforestation, où on coupe du bois, où on produit du charbon, où on produit des ciments en terre cuite. Elle peut être observée aussi dans les zones où on coupe la mangrove, on détruit complètement les arbres de la mangrove on utilise le bois de manière pas du tout rationnelle. Et donc la terre finit par perdre en fait ses ressources et elle devient aride, elle ne produit plus les ressources qu'elle devrait. Et si on prend aussi les cultures surbrûlées dans certaines zones, elles impactent fortement nos terres. Et donc sachez que bien qu'on soit un pays appelé château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, bien que nous soyons très dotés par la nature de couvert végétal, sachez que nous ne sommes pas à l'abri de la désertification. C'est pourquoi nous devons nous battre pour restaurer nos terres, pour mettre en œuvre des projets pour reboiser. Et donc, heureusement, il y a beaucoup d'acteurs de manière bénévole qui s'impliquent dans ce sens-là. Mais la lutte contre la désertification doit être garantie par nos lois nationales. C'est vrai qu'il y en a, mais elles ne sont pas appliquées à tous les niveaux. Et donc, pour nous permettre de lutter contre la désertification, et ça fait partie des objectifs de développement durable, en leur objectif 15, et la cible 15.3 demande ce qu'on appelle la LDN, la neutralité en termes de dégradation des terres. Et donc nous devons au moins restaurer les terres qui sont dégradées afin qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable. Donc si nous arrivons à restaurer les terres qui sont dégradées, nous pouvons les réutiliser et nous contribuons à ne pas détruire d'autres terres. Et donc c'est très très important, sinon nous ne pouvons pas parler de l'autosuffisance alimentaire, parce que d'année en année, nos terres ne vont plus produire. Et même si elles produisent, la qualité des aliments ne seront pas là. C'est pourquoi nous devons observer tout ce qui est autour de la désertification pour ne pas qu'on arrive à cela. Et donc, merci pour votre écoute. Et donc, sachez que vous pouvez vous rendre sur le site de l'ONG Femmes Pouvoir et Développement que je note en bas de cet écran, pour voir tout ce qui est lié au détail de cette campagne-là. Et ensuite, sur ma page Facebook Fatoumata Chérie, vous aurez tous les détails sur la désertification, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, le travail que fait le secrétariat de la Convention et tout ça. Et sachez que l'organisation Femmes Pouvoir et Développement est accréditée par la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification à travers ses activités. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me joindre sur WhatsApp 620 20 45 45. Je serai à l'écoute pour répondre à vos questions et surtout postuler, parce que ça c'est pour mettre en lumière vos activités. Je sais que beaucoup agissent dans ce sens là mais ils ne sont pas assez promus, et donc l'initiative c'est de mettre en lumière les acteurs qui se battent dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à postuler. Si vous ne postulez pas et que vous connaissez des jeunes ou des organisations qui se battent dans ce sens-là, vous pouvez m'écrire, parce que ça c'est non seulement à titre individuel mais à titre organisationnel. Vous pouvez postuler à ce prix. Et Inch'Allah, comme cette année on n'a pas pu
faire beaucoup d'activités à cause de la pandémie. Inch'Allah, l'année prochaine, on va organiser le prix Langue Guadiane pour récompenser ces acteurs-là. Merci pour votre écoute et à très très bientôt.